Salut à tous! Hey, salut! C'est Didine et Gigi de Gaming Room TV. Donc aujourd'hui, nouvel épisode de la collection des abonnés. Mais avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent participer, donc n'hésitez pas à envoyer vos photos via notre page Facebook ou adresse email. Les liens seront dans la description. Comme d'habitude. Donc nous avons sélectionné 5 collections. Voilà. Donc nous allons commencer par la collection de Greg, le joueur buveur. Salut à toi. Donc nous on est à Londres. Ouais, donc on va faire comme son concept de vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, on boit logiquement il boit une bière. Bah nous on est à l'eau. Exactement. Santé. Alors donc, commençons. Vas-y Dini, je te laisse commencer. Alors première photo. Donc comme d'hab, on a le PC devant nous pour. Voilà. Alors, première étagère, donc c'est des jeux PS2 en bas. Donc voilà, première photo, donc c'est une étagère avec les jeux. Donc ouais. On va commencer par l'étagère du haut. Ah, donc, du haut. Voilà, ça sera plus simple. J'étais en bas, moi. Donc, il y a de la Master System, de la NES, de la Mega Drive. Donc je vois le Super Mario Bros, moi. Ouais, de Tortue Ninja. Et Tortue Ninja sur NES. Mario Kart 64 que je vois. Ouais, on essaye de regarder au mieux. En dessous, donc c'est de la Xbox 360. Au-dessus, on a les petits jeux Super Nintendo. En dessous, la Xbox One, la PlayStation 1. Oui, c'est ça. Après, vas-y, dis-moi. Des Lego, non? Oui, il y a des Lego. Mm-hmm. Oui, parce que Greg collectionne également des Lego. En dessous, nous avons de la PS4. La PS4. Après, les autres boîtiers en dessous. Ah bah, les boîtiers bleus comme ça, c'est de la Wii U. La Wii U avec Mario Wii. Maker, là, je vois. La Wii avec le... Il y a le... Comment dire la boîte, comment dire... Rouge. C'est le... Comment dire le super... C'est le Mario... Mario je sais plus quoi. On est à fond dans la Wii, c'est incroyable. La Switch un petit peu, et donc tout en bas. Donc je suppose que c'est de la PS2. Ouais. Donc on va pas citer tous les titres, vu qu'on voit pas non plus ça les titres. Ça risque d'être compliqué. Donc c'est pas évident. Donc, photo numéro 2. Alors. Donc là, c'est chouette, ça, j'aime bien, moi. Les casiers comme ça pour le rangement de console, c'est super classe. Franchement, ça fait classe, hein, tu vois. On distingue vraiment bien. Ouais, surtout qu'au-dessus, il a fait NES, Super NES, N64, Wii. Ouais. Non, franchement, c'est bien. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est impeccable. Ouais, photo numéro 3. Donc, là, c'est ses consoles. Voilà, donc on a l'édition Call of Duty, hein, de la 360. Ouais. Dreamcast. Ouais. La Wii. La Wii. La mini NES et la mini Famicom. Si je me trompe pas, tu me le diras dans les commentaires, ouais. Greg, si c'est bien ça. Les manettes pour Switch, hein. Pas mal aussi. Ah oui, la bleue, tu parles. Hein. La D'accord. bleue, et puis à côté, il y a notre boîte. Ouais. Et la fausse Mega Drive, mini Mega Drive. C'est ça. Moi, j'adore le cadre. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il est trop beau. Ouais, c'est classe, franchement, c'est bien. Et en plus, je vois que tu as la même lampe que nous pour filmer. Alors, ensuite... La même lampe et le même trépied. Peut-être même le caméscope, je crois bien. Alors, premier truc que je vois, c'est le dessous de table. Ouais, la petite table basse avec pour mettre les verres à bière. Super. Impeccable, petit coin gaming. Bon, bah, un petit écran plat, la petite cathodique, mini cathodique. Ouais, et donc je vois la PS4 et la Switch qui est complète, quoi. C'est sympa, franchement c'est bien. C'est top. T'aurais pu mettre le petit mini verre frigo. Un petit verre de bière aussi. Ouais, et le mini frigo quand même, hein. Ouais. Donc là, donc c'est un cadre dédicacé donc de Patrick, je sais pas quoi. Franchement, je m'y connais pas en DBZ. Non, on est pas calé, donc. Donc ça doit être celui qui fait la voix de Son Goku, je pense, de Kakarot. Tu connais, Denis? Possible. C'est moi, Son Goku, Son Gohan, ça me suffit. Hein. Ensuite, on est en plein dedans. Hein. Voilà, DBZ. Donc voilà, donc je vous passe vite fait quoi. Les photos. Donc il y a Piccolo, il y a Vegeta. Ensuite la dernière, donc on a Kakarot. Et les autres, je sais pas. Je suis désolé. Donc en tout cas. Un grand merci à toi Greg. Greg, on te remercie. On te d'avoir fait des gros participé. Bisous. Et vivement qu'on aille en Belgique pour qu'on se fasse. Qu'on se tape une petite bière. Une bonne petite bière ensemble. Voilà. Donc on te fait des gros des bisous. Gros bisous. Alors, collection numéro 2, donc c'est la collection de Robin Desbois. Salut à toi Romain, et merci d'avoir participé. Ouais, alors, photo numéro 1, que vois-je? Que vois-je? Une Nintendo 64. Avec le Mario 64 dedans. Ouais, avec aussi une petite collection Simpson. Sympa. Moi j'avais commencé. Les DVD, ouais, Simpson, sympa. J'avais commencé, je vais avoir, je sais plus combien de saisons, et à un moment j'ai arrêté, c'était trop coûteux quoi. C'est ça.
Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, le 64 de la GameCube. Voilà. Petite collection Simpson. Les Simpsons. Sympa. Ensuite, donc, deuxième photo. De la Game Boy. La Game Boy Advance. Donc, du coup, direct, bah, on voit le Zelda, hein, direct. Ouais, c'est ça, Castlevania. Avec le Castlevania. Au-dessus, on a le Super Mario, Mario 3. Oui, on a le Super Mario World aussi, Mario Kart. Ouais, du F-Zero. F-Zero, sympa, le Prince of Persia. Mm-hmm. Le Mickey en dessous, Seigneur des Anneaux, Aladdin, Inspector Gadget. Pas mal du tout. Sympa. Troisième photo. Ouais, c'est vrai que Robin avait dit oui, bah, je vous envoie comment dire, les photos de ma petite collection. C'est pas parce que t'as une petite collection que t'as pas des belles pièces. Hein. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça, faut comprendre les gens. Qu'elle te plaise à toi. C'est pas parce que. C'est voilà. C'est pas parce que vous avez une petite collection que. Qu'elle est pas belle quoi, c'est... vous êtes à des bons titres hein, dans ta collection. Donc ensuite, troisième photo. Alors, nous avons de la GameCube, de la PS3, toujours de la Game Boy, ouais, la Game Boy et de la N64. Collection Sonic là, sur la Game Boy. Le beau Ocarina of Time. Ouais. Magnifique. Ensuite, sur la GameCube, on a le F-Zero, on a quoi? On a Mario Kart Double Dash. On tourne la tête comme ça. Ouais, on a le Soul Calibur 2, le Star Wars World Leader. On a le Matrix, Hunter the Matrix. Qu'est-ce qu'il est mauvais ce jeu? Non, bah, pour ma part, il était moche. Il est moche et oui, et mauvais. Ouais. On a Gun aussi. Gun, très bon jeu aussi. Pas mal du tout. Et ensuite, je crois que c'est la dernière photo. Voilà, donc je vais laisser Didine présenter. Mais que dire? Alors, donc, on voit que tu aimes les Harry Potter. Ouais. Franchement, t'as les 4 Harry Potter sur... 4, il y en a 4 Je ne sais pas... Non, il y en a 5. Il y a 5 Harry Potter sur la Game Boy. Alors, ensuite, bon, bah, de la N64. C'est pour ça que je te dis que je te laisse présenter. Bah oui, hein. Ah, c'est sympa, t'as des beaux petits titres en boîte. Pokémon Stadium 2, Banjo-Kazooie, ouais, Duck ouais. Nukem 64. Ouais. Ouais, Et Mario 64. Je l'ai dit. Tu l'as dit ouais. Je l'ai pas dit, je sais plus. Non, elle l'a pas dit, je crois pas. Le Bomberman Hero. Non, c'est sympa, franchement. Et en plus, en boîte, c'est classe, hein, franchement. Pas mal du tout. Didine, toi, tu rechercherais quoi là-dedans? Super Mario 64, déjà sûr. Que je n'ai pas, qu'on n'a pas en boîte. Pokémon Stadium également. Le 2, ouais. Le Doom aussi, c'est sympa aussi, quoi. Oui. Franchement. Et le Duke Nukem 64, je crois bien que c'est un titre exclusif à la N64. C'est un titre exclusif, ouais. Ouais. Donc voilà quoi. Donc c'était la collection de Robin. Donc on te fait le gros bisou, on te remercie. Et un grand merci à toi ouais, pour ta participation. Voilà, ça fait toujours plaisir quoi. Heureusement vous participez, sinon la vidéo n'aurait pas lieu quoi. Voilà. Ensuite. Donc la collection de Christo Geek. Comment vas-tu l'ami? J'espère que tu vas bien. Moi ça va bien. Alors. Donc là c'est son coin gaming. Donc écran plat. Sympa. Donc il y a la PS4. Et en dessous, t'as des jeux Super Nintendo. Ouais. Alors... Bon, qu'est-ce qu'on a? On a Astérix, Aladdin. Oui. Après, on a quoi? On a quoi? Livre de la jungle. Je vois le Secret of Mana. Ah oui, t'es loin, toi. Super Metroid. Je vois Aladdin. Je vois. Tu fais la voyance, je vois. C'est ça. Alors, le Zapper. Mm. En boîte, et devant une petite collection de jolies petites collections de voitures. De voitures, ouais, c'est sympa. C'est tout mignon. Voilà. C'est un peu le bordel. Voilà, ouais, franchement, on va pas se mentir, Christo. Alors. Quand tu vois ça. Par où on commence? Par où on commence? C'est vrai que. Alors, il y a de la Game Boy. Vas-y, tu commences par où? Quelle étagère? En fait, je sais pas, je prends. Donc, on va commencer par le haut. Donc. Il y a le Zapper là-haut. Ouais, donc il y a le Zapper. En haut, c'est quoi? C'est des jeux vidéo, c'est quoi? Il y a des goodies. Il y a une tasse Luigi. En dessous, on va redescendre en dessous. Donc coin PS1. Donc, t'as une sacrée collection PS1. Ah oui. PS4. Donc là, t'as les Game Boy. Et après, t'as de voir de la Game Boy aussi, de la PS2. Et en dessous, bah, t'as voiture et de la PS2. De toute façon, on va avoir. Mieux en détail après, ouais. Logiquement. Alors là, bah, on a de la Mega Drive. Hein. Étagère, ouais, de la Mega Drive en haut. Après, c'est quoi DVD? Là, c'est mieux rangé. Mmh, ouais, bah, ça peut être c'est un peu plus clair. Ouais. Alors, oui, il y a du DVD, il y a du jeu PC. Oh, non? Je crois bien qu'il y a des jeux PC. On ouais. dirait qu'il y a des jeux PC, il y a de la Mega Drive. Ensuite, donc, photo. Donc là, on a de la NES en boîte. On a de la NES en boîte, Double Dragon. Le DuckTales, le Zelda. Zelda, Dragon Lair. Ensuite, donc, nous avons un coin Master System. NES. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau donc... Ah, et un petit peu de Wii en dessous. Ah oui, la Wii, ouais, ouais. Alors, Batman Rocker, c'est des titres Star assez Wars. Communs. Ouais.
Après en S on voit pas trop non plus. Donc on change de photo. Alors... Ah oui, du coup, ouais, donc t'avais redécalé. En vrai, tes jeux Master System, ils sont derrière. D'accord. D'accord. Alors oui, bon, on a de la Game Boy Color, Advance, Advance SP. Par contre... Une magnifique pièce en plein milieu. Le Game & Watch Zelda en boîte GG. Hein. Super. Hein. Ouais. Même les Game Boy Advance, la Pink, tout ça, la Tribal, c'est sympa. Super belle. Ensuite, le coin PlayStation 1. Donc direct, tu vois le Legend of Dragoon. Ouais. T'as quoi? T'as les Tekken. Donc Tomb Raider, je vois les Tomb Raider, t'as les Tekken en dessous. Un Breath of Fire 3. Ouais, en Alundra 2, t'as quoi? Le Resident Evil. Du Crash. Du Final Fantasy, du Spirou. Donc ouais, t'as une belle ludothèque quand même. Ouais, c'est sympa voit. Comme tout. Et t'as un pack, t'as vu les deux Tomb Raider. Ça c'est beau ça. Ça c'est pas trop commun non plus. Du tout, ouais. Ensuite, coin GameCube, donc le Zelda Wind Waker que tu vois direct. Hein. On après, peut pas le louper. Bon après, t'as quoi? Du F-Zero. Franchement, t'as quoi? Mario Party 7, il y a le WarioWare. La boîtier jaune, tu remarques. Je peux pas le louper. La jaquette jaune, comme ça, tu remarques direct. Bon, bah, Mario Kart, le Dash. Ciao. Et t'as à côté, t'as des jeux Game Boy. T'as Astérix Obélix et les autres, on voit pas grand chose. Non. Ah. Donc là. Coin PS2. On voit déjà mieux. Donc là. Le fameux Silent Hill qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau en PS2 ? Metal Gear Solid. Donc je me rapproche. Je me suis pas bougé. Hein. Didier, en vrai, elle est focalisée sur le. Psychoden 5. Sur l'ordi. Bah, en fait, je me concentre sur. Ouais. Donc sur les photos. Le Gradius 5, Psychoden 5, comme tu dis. Belle pièce. On a quoi ? Repère en même temps que vous. Ouais, et plusieurs crashs. Blood Omen 2, franchement, Blood Omen 2, à l'époque, moi, quand je l'avais quand j'étais gamin, il me faisait peur. Même maintenant, quand j'y jouais, l'ambiance est un peu glauque, alors... Nous avons des crashs, Resident Evil, Soul Calibur 3, Silent Hill aussi. Et les Sly. Les Sly Cooper, ouais, très bon jeu aussi de plateforme. Alors, la PS3. Donc, PS3, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce qu'on a des pépites hallucinantes? Donc, après, ouais, t'as le Tales of Xidia, le 2. Symphonia Chronicles. Le Kingdom Hearts, on a aussi. Super Street Fighter. Le Parrain 2. T'avais dit Super Street Fighter? Non. Ouais, bah après, c'est des jeux qui sont quand même assez. Red Dead, ouais. Assez communs, quoi. Ensuite. Donc là, pareil, un coin. Donc là, c'est le coin DS avec le coin PS3. Donc pareil, on va pas vous citer tous les titres parce qu'on voit pas grand chose. Donc ensuite. Alors, de donc la là, Game c'est Boy. Bien. Coin Game Boy, là, au moins, on voit bien. Là, on voit bien, ouais. Donc, allez, vas-y, Didine. Bah, on a le Zelda DX, hein, c'est le premier qui saute aux yeux. Ouais. Hein. Alors, on a du FF, du Donkey Kong, les Pokémon. Pokémon Pinball, ouais, je vois ça. Franklin, ouais, c'est Franklin. Pac-Man. Ouais, on a du Mario Tennis hein, qu'on a aussi. Franchement, c'est sympa. Hein. Franchement, nous, on n'en a pas autant. C'est pas mal du tout. Et il y a des jeux sous blister, là, toi. Le boxing, je sais pas quoi, là. Ouais. Je connais pas. Ah, franchement, c'est pas mal. Et voilà. Donc, c'était la dernière photo de ta collection. Donc, on te remercie d'avoir participé. Par contre, essaye de ranger ta collection. Non, un grand merci à toi, Christo. Ouais. Franchement, c'est... C'est sympa. Je pense que c'est vrai que mieux agencer... Elle serait plus belle, ouais. T'aurais des belles pépites à pouvoir mettre en valeur. Parce que t'as des très belles pièces. Mais c'est vrai que c'est entassé, quoi, c'est dommage. Après, c'est peut-être le manque de place aussi, hein. C'est pas toujours évident. Oui, mais bon. Il enlèverait les petites voitures miniatures sur le côté et il aurait plus de place. Donc, un grand merci à toi, Christo. Allez, merci, bisous. Donc, ensuite, on passe à la collection de Daishan. Salut Daishan, comment vas-tu? Mon Daishan. Alors... Donc, petite collection Daishan, donc... que ça soit petite ou grande, on prend. Donc alors, on parle bien de collection. Tout à fait. Alors, donc, il est pas commun celui-là. Comment il s'appelle, je sais plus. Ouais, on a juste la jaquette. On voit non, pas grand c'est chose. Quoi qu'on a nous? La notice. Donc moi ce que je remarque direct, c'est le pack Metal Gear. Ouais. Donc là c'est juste un fourreau. Tu sais, c'est le fourreau ah, t'as un pack. Oui. Nous avons quoi? Le DBZ, le Final Fantasy VIII, Galerian, le Heart of Darkness. Et celui d'en bas, je connais pas, je vois pas trop bon. Je sais plus comment s'appelle. Le problème, c'est qu'on voit pas non plus, on a pas des. Les photos sont pas non plus trop. Attends. Trop belles. Je verrai pas. Non. De toute façon, vous verrez mieux par vous-même via la vidéo, ça, c'est plus facile pour vous. Mais. Parce que nous, la photo, c'est elle est vraiment. C'est un RPG pas commun. Pas commun, ouais, mais il est pas non plus extraordinaire. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, ensuite, photo numéro 2. Game Boy. De la Game Boy.
Alors, la Game Boy Frigo, Advance. Pourquoi Game Boy Frigo? Parce que c'est une frigo. Parce que c'est une grosse Game Boy, tout simplement. Game Boy Advance SP. Ouais. Alors, on a les Pokémon. Pokémon, ouais. Pokémon. Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, c'est bien, jeu de cartes. Pas mal du tout. Ensuite, la N64, hein, les Rumble Pack, Pokémon Stadium 1 et 2, Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, Super Mario 64 et Scarce. Mais c'est quoi Scarce? C'est un jeu de voiture, ça? Ça doit être un jeu de voiture, ça. Ça m'a jamais attiré. Ensuite, donc on passe à de la PS2, donc là directement tu vois les hacks. Ouais. Il t'en manque un, je crois bien. Je sais pas c'est lequel. Nous on les a même pas les hacks. Non. Bah, donc, Dark Chronicle. Hein. Dark Chronicle et la trilogie des Princes of Persia. Et faut pas oublier le petit Soul Calibur 2. Mmh. La jaquette elle est trop belle. Putain. Ouais, c'est vrai qu'elle claque. Je la trouve trop belle. Moi. Mmh. Ensuite, Tenchu. Shadow Earth, le premier. Celui-là c'est vraiment un jeu qui est pas non plus commun. Quoi. Mmh. Il cote un peu quoi. Le Simpson Hit and Run. PES 6, obscur. Ensuite, nous avons le 007, le Ico. Ico. Rock Galaxy. Et encore, on revoit encore le Shadow Earth. Ouais, Lucifer's Call, je connais pas du tout. Je sais plus c'est quoi comme jeu, je sais plus. Non. C'est du RPG, mais le titre au début, je sais plus. Voilà, ensuite PS3. La PS3 pour finir, je crois bien. Ah non, voilà. Donc c'est pour finir, c'est la collection, ouais, PS3. Donc Eternal Sonata. Ouais. Heavy Rain. Elle est noire. Elle est noire, Heavy Rain. The Last of Us, Beyond Two Soul. Darkness. Franchement, c'est impeccable. Hein. Ouais, des bons petits titres. Et pour finir, les guides. Les deux petits guides. Franchement, le petit guide Digimon me donne bien envie, toi. Ouais, il est pas mal. Ouais. Franchement, faudrait que je regarde sur internet. C'est vrai qu'il doit bien aider quand même pour le jeu. Ouais, c'est le. Parce qu'il est assez, c'est assez difficile. Et le guide de Kingdom Hearts, c'est le dessus. Voilà. Donc voilà, donc on te fait de gros bisous, Daishan. Un grand merci à toi. Voilà, on te remercie d'avoir participé. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine, salut. Fin de la vidéo. Et pour finir, restez jusqu'à la fin. Alors là, c'est une connexion de dingue. De malade, donc c'est la collection de Jean. Donc il voulait qu'on fasse une dédicace à son beau-frère, parce que c'est beau-frère qui a fait les étagères, qui m'a donné la connerie. Et moi je trouve que c'est vraiment top, c'est sur mesure, c'est super, oui, c'est bien ça. Agencé, et franchement, big up. Big up, big up à toi. Donc, comme vous voyez, franchement... Première photo. Eh, hey, ça en jette. Hein. C'est ça, c'est pour quelqu'un qui aime bien le rétro gaming. C'est là. Très très beau. Moi, le truc que j'ai repéré, c'est en bas à gauche, c'est le flipper, là, Super Mario. Là. C'est impeccable. Donc en dessous, vous voyez quoi. La N64 Star Wars Racer. Ouais. J'en ai même du mal à parler, ça m'excite. Drive, Aladdin, je vois des jeux comme ça. Non, mais je vois des jeux comme ça, ça m'excite. Echo. C'est alors, bon. Deuxième donc, photo. Voilà. Donc là, c'est un peu mélangé. Donc on a du N64 mélangé à du Super Nintendo. Mais après, les titres, ils sont quand même assez distincts. Hein. On repère tout de suite les deux Zelda de la Nintendo 64. Il y a le Tortue Ninja sur Super Nintendo. Donc ça, c'est le jeu de combat, celui-là. Ouais, pas mal. Le Conquer Bad First Day tout en haut là-haut. Ouais. Avec le Kirby. T'as le Super Metroid, le Castlevania Vampire Kiss. Oui. Si je me trompe pas, c'est bien le titre. Ouais. Voilà, quand vous voyez les titres, chouette, on sait même pas quoi regarder, on sait même pas quoi. C'est très beau quand même. Moi je vois les packs des consoles, le Super Street Fighter 2, t'as le Turbo, t'as même la GameCube Resident Evil. Ouais. Franchement, c'est impeccable. C'est beau. Donc, c'est très beau. Hein. Là, on va passer aux photos où il a rangé. C'est impeccable. Ça envoie du lourd. Hein. Et qu'est-ce qu'elle me donne envie, sa Mega Drive 2, là, le pack Aladdin. Là. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est impeccable. Ah, franchement, il y a du. Non, franchement, t'as des bons goûts et comme il dit, bah, il sélectionne. Voilà, il collectionne pas tout. Quoi. Non, mais c'est très très bien agencé. Regardez, franchement là. On a un peu de GameCube là sur la gauche, ouais. Sur la gauche avec le Luigi Mansion, le Chibi Robo. Ouais. Non, franchement, et après au milieu, vous avez tout ce qui est Game Boy là. C'est vrai que c'est tout de suite. Du coup là, il a rangé. Hein. Ouais, c'est tout de suite. Elle va chier, c'est tout de suite beau. Et du coup, tu vas faire comment si tu rachètes des autres jeux? Tu vas aller à mettre où? Tu vas refaire des étagères? Non, mais l'idée, franchement, est d'étagères. Non, c'est impeccable. C'est super, hein, il a géré ton beau-frère. Ouais. Faudra que je l'appelle quand on va. Ouais, tu m'étonnes. Non, c'est impeccable, c'est magnifique. C'est très beau. Allez, donc là, on est encore au-dessus, quoi.
Voilà. Et les packs Super Nintendo. Les packs Super Nintendo. Les 3 packs Street Fighter. Alors, c'est quoi Castlevania sur PS1. Hein. En bas, pardon. Ouais. Franchement, c'est impeccable. Là, en dessous, le c'est le cœur. Resident Evil. On a même pas de mots, c'est vraiment beau, franchement. Il me cloue le bec. Franchement, c'est un coup aller chez lui et faire une vidéo. Vraiment une vidéo, quoi. Ça, c'est un coup à faire une vidéo. Ah, ça vaut le coup de faire une vidéo de présentation. Ouais. Ouais. Le beau Mario. Oh putain, hey, t'as vu le pack en haut? Metroid. T'as Metroid et à côté le pack Super Nintendo, donc Donkey Kong Country. Donc si tu sais pas quoi en faire, tu peux me l'envoyer pour ma vitrine, s'il te plaît. Voilà. Le Yoshi's Cookies. Cookie. Ouais, on l'a pas celui-là. Non. Il y a plein de trucs qu'on a pas, mais bon. On chie pas l'argent, comme c'était on dit. C'était dans les débuts, en plus, du Yoshi. Hein. Ouais, ouais. Donc, c'est beau. Donc, prochaine photo. Oh là là, non mais regardez. Y'a que des jeux en boîte, quoi. On doit avoir les yeux qui pétillent. Non, mais on sait pas, franchement, on sait même pas quoi dire. T'as des jeux en loose quand même dans ta collection ou... Ça se trouve, Jean, t'as imprimé que des boîtes. T'as dit, ouais, regardez ma collection. Non, c'est que. Je pense pas. C'est que des originaux. Hein. Ouais. Non, c'est bon. Non, mais t'as le pack Action 7 en dessous. Ah, une manette en boîte N64. Ouais, donc du coup, à droite, vous avez le petit coin NES, après le coin Game Boy. Mais c'est bien parce que chaque chose est rangée quand même. Ouais. Alors, prochaine photo. Donc là, ouais, là, donc du coup, on voit bien la NES et la Game Boy, quoi. Je sais même pas quoi dire, franchement, c'est tellement beau. Les Game Boy, regarde les Game Boy, la Game Boy, le pack Kirby, là. Kirby, ouais. C'est un 33 tours Ulysse 31 ou... Et ce qui est marrant, c'est que moi, je regarde à droite et Didine, elle regarde à gauche. Toujours, ouais. C'est bizarre, quoi. Donc du coup, ouais, franchement, c'est beau. C'est beau, hein. Megaman, Donkey Kong, SOS Phantom. T'as les Tortues Ninja, t'as Tetris, Yoshi Cookie encore sur Game Boy. Non, franchement, c'est magnifique. Alors, c'est beau. Prochaine photo. Donc là, on redescend. Ouais, alors... Parodius sur NES. Tu t'es où, là? Regarde, dis-moi où t'es, Didine. Moi, je partais à droite. Ah, donc repars à droite, vas-y. T'étais parti à gauche. Bah, je te parle à lui, vas-y. Non, mais le pack Star Wars. Hein. Si je parle pas, elle parle pas. Ouais, non, mais... Non, là, t'as la PS2 Pink. Ouais. Le pack Action 7. Franchement. Ouais, le Bubble Double, là, ouais. Sur NES. Le Kirby aussi, le Kirby, le Double Dragon, Megaman, le Double Dragon 3, le Robocop. Ouais. Franchement, c'est impeccable. Mario et Yoshi. Ouais, franchement... C'est beau. Donc là, nous avons... donc là, c'est les Castlevania sur la PS1. C'est vrai que tu fais pas beaucoup de PS1, je vois, on a vu que ça. Ouais. Mais bon, peut-être que... on a vu que ça, mais c'est quand même des jeux assez prisés, quoi. C'est des beaux jeux. Baiten Kaitos, Fire Emblem, Shigeru. Ouais. Franchement, on voit bien le Conker, Didine. On le voit bien. Il a dit qu'il était bien chez lui, toi. Bon, bah, c'est bien, alors ça... Il avait pensé à toi, Didine. Il est bien au chaud. Il est bien au chaud, donc il l'avait dit. Là, franchement, bah voilà. Voilà, regarde. Alors là, il faut que je zoome pour me faire un peu plus de mal. Mais... Hey, Resident Evil 2 sur N64. Mario Party 2, 3. Mario Party 3. Impeccable. Le Kirby au-dessus, là. Ça fait mal. C'est juste beau, quoi. Après, on pourrait franchement faire pareil. Ah non, tout à fait, mais oui. Après, c'est sûr beau. Qu'on aurait moins de pièces, quoi. C'est beau. Moi, ça me tenterait bien, franchement, de revendre des pièces et me consacrer sur une console. Très, très beau. Après, voilà, faudrait se consacrer sur qu'une console, mais bon, ouais, ça serait... c'est compliqué. Tu te concentres sur laquelle, toi? Moi, oh, je sais pas. Ensuite... Donc en dessous, là, franchement. Le pack Echo... Eh, t'as les Megaman X. C'est... Ouais. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est... Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est ça, le problème. On dit rien, on apprécie, quoi. Street Fighter, Starwing... C'est juste magnifique. Mickey Mania... T'as vu, il y a le pack Mario, Max, Mario Dance, je sais pas quoi. Ouais, le truc dedans, c'est quoi, Mario c'est, quoi, c'est avec un tapis. Donc, mix. Ensuite, bah là, t'as le truc, on repart dans l'angle où on était tout à l'heure. Donc, alors, c'est. Goldorak. Ulysse. Ulysse 31. Et voilà, quoi, je crois bien qu'on est après la fin, non? C'est vraiment. Où est-ce qu'il reste une photo? Ah oui, donc là. Bah, si, il en reste. Voilà. On arrive sur du next gen. Donc là, c'est du récent. Donc, il nous a partagé, du coup, la collection de sa fille. Il a dit, est-ce que je peux mettre les photos de ma fille parce que. Bah ça lui ferait juste plaisir, donc voilà, on le fait. Moi j'adore la petite peluche Stitch. Donc il a fait exprès, donc à chaque photo, donc il a mis une petite peluche... représentative. Comment t'as dit? Stitch. Stitch. Alors, donc du coup, donc bon bah de la Switch avec la belle petite manette, c'est Link dessus, ouais. C'est ça. C'est Link. Bon bah on a le Pokémon Let's Go Evoli, Kirby, DBZ,
C'est le Dragon Ball. Oui, c'est ça, chérie. Mario Kart 8, Rayman, Crash. Ensuite, nous avons de la Wii U. Donc, De la Wii U, hein, bon, on va pas tout citer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit là, vite voit. Fait, le Pikmin. Le Pikmin, ouais, le Splatoon. Donc, et Kong, et Wario, pardon, excusez-moi, je suis la sorcière, je suis crevée. Le Minecraft, etc. Ensuite, de la 3DS. 3DS, bah dis donc, ta fille, elle a quand même... Elle a pas mal de jeux 3DS. Papa achète beaucoup de jeux. C'est pas mal, hein. Donc du Pokémon, mais après on reste dans le Nintendo, hein. On a du Pokémon, du Mario. Animal Crossing, Luigi Mansion. Mais j'aime bien le délire d'avoir mis la peluche, c'est trop cool. C'est, ouais. Voilà, voilà. Ah, donc ouais, de la DS. De la DS. Donc Pokémon, comme d'hab, hein, Pokémon. Mario. De la Mario. Ah, du Mario, pardon. Princess Peach. Je passe à la photo. Vas-y. Voilà. Donc de la Wii. De la Wii. Ouais, ça va, ta fille, elle se fait plaisir quand même. Ouais. Elle a des beaux jeux. Hein. Le jeu de Sing It, là. Sing It Disney. Les Just Dance. C'est cool, ça. Non, c'est impeccable, franchement. Ouais. Et là, bah, on repart sur la Switch, quoi. Il y a des petites figurines sur l'univers un peu de Disney. Donc, je sais plus c'est quoi Disney Infinity, je sais plus quoi. Ah, peut-être, oui, c'est peut-être ça, ouais. Avec Réponse, Raph. Raph. Ouais. C'est Raph. Voilà, ça. Raph, la fée clochette, Jasmine. Et t'as des comment dire, des amiibo. Splatoon en dessous, ouais. Donc voilà, c'était franchement la collection de Jean et la collection de sa fille. Donc ouais. En tout cas, Jean... Lolo. T'as une excellente... une excellente collection. Franchement, t'as du goût, mec. Et beaucoup de pognon. je pense qu'il se consacre vraiment sur ça. Après, c'est vrai que, comme on disait, ça peut aller très vite. Si on veut prendre des belles pièces aussi. Ah oui, des fois, t'as pas choisi non plus. Voilà. Mais franchement, en tout cas... Chapeau. Très belle collection. Ta fille aussi. Ouais, impeccable. Franchement, j'adore. Tu lui diras qu'elle a une super belle peluche Stitch. On va lui piquer. Et franchement, sinon, bah voilà quoi. Un grand merci à vous cinq. Donc, bah, on recite. Hein. Donc, on avait Greg, Robin, Christo Geek, Daisha. Et puis notre fameux Jean. Jean avec sa fille, voilà. Voilà. Donc, en tout cas, ouais, de gros bisous à vous. Et donc, puis, merci tout plein pour votre participation. Pour ceux qui sont pas passés, vous inquiétez pas. Ça va venir. Ça va venir. Et pour ceux qui veulent passer, n'hésitez pas, je l'ai dit en début de vidéo. Voilà. Envoyez vos photos sur la page Facebook. Ou. Donc en message, bien sûr. Ou par email. En message privé et ou via par email, pardon. Voilà. Donc les liens seront dans la description. Comme d'habitude. Comme ça qu'on puisse refaire d'autres épisodes si ça vous intéresse, bien sûr. Exactement. Donc déjà sûr, il y aura un prochain épisode. Voilà. Et donc, on verra après par la suite. Voilà. Donc sur ce, les amis. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut.